Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs. L'écran devrait apparaître d'un instant à l'autre, voilà, ça y est, et on est avec Katox ce soir, c'est Katox. Salut. Et on reprend du coup notre petite aventure. Donc on venait de terminer une production d'obus de qualité, histoire de pouvoir nettoyer un petit peu la map. C'est à peu près tout. Et bah sinon, je crois qu'on était en train de regarder un peu comment faire pour augmenter nos productions. Alors les circuits verts, ça dépote à mort. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le cuivre, on peut probablement mieux faire encore. Encore que ça va ici. Ça va. Non, non, ça va en fait. Le cuivre, c'est pas non plus dramatique. Donc le goulot d'étranglement, c'était comme d'hab les potions jaunes. Donc il nous faut plus de ces trucs-là. Ouais, les barres d'acier, ça allait. Il tourne à plein régime ces trucs hein. C'est juste long quoi à fabriquer. Alors on m'a dit dans les commentaires que les pour info hein, que les spatioports les spatioports pff, les roboports pardon en fait les robots pouvaient les poser et que c'est juste que mes premiers tests je les avais posés hors de portée des robots du coup voilà. Donc a priori on peut poser des robots ports fantômes et tant que c'est dans la portée des autres et qu'il y a de l'électricité et tout, ils peuvent les poser. Enfin ils peuvent poser les poteaux aussi j'imagine. Donc voilà, ceci explique cela. Tout a une solution. Exactement. Alors ce que je pourrais peut-être faire, ce qui serait peut-être utile, ce serait de travailler sur des bras de robots verts. Pour upgrader un peu tout ce bordel là. En plus, c'est pas ultra cher non plus. Donc ça me paraîtrait pas déconnant. Je vais faire ça. Je vais complètement faire ça. Ici, on demande du coup 50 comme ça. Il nous faut. Alors, il va nous falloir encore un max d'engrenage. Ce qui va coûter un peu une blinde, mais c'est pas grave. 100 comme ça. Et il nous faut 50 comme ça. Voilà. Ici, on fait du verre. Et on va évacuer ça. Voilà. Bon, le bras a peut-être un peu galéré tout seul. Par contre, on va ponctionner du tapis rouge pour ça. Bon, on a un peu d'avance. Hop, on va en faire un peu plus d'avance. Dis donc, je sais pas ce qui s'est passé avec nos tapis, mais c'est un peu la teuf là. Où ça? Bah, je sais pas, on en a plein d'un coup là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Tiens, ça c'est amusant. Bah, il y a eu une upgrade, ou je sais pas, enfin, il y a un convoyeur souterrain qui a été upgradé en bleu d'un côté qui est toujours en rouge de l'autre. Et du coup, ils ne sont plus reliés. Attends, où c'est? Là où j'étais, là.
Le convoyeur côté sortie, il était rouge. Du coup, il ne faisait plus traverser les tapis verts, là. Enfin les circuits verts. C'est bizarre. Ouais, je vois pas trop, surtout qu'on n'aurait pas vraiment de raison d'avoir upgradé ça. Enfin, je vois pas trop le délire. C'est pas un robot qui a fait l'upgrade. Bah, c'est peut-être un robot qui a fait l'upgrade, ouais, enfin, sûrement même. Il aurait upgradé que un seul côté et l'autre côté n'était pas marqué à upgrade en fait, c'est ça surtout qui m'étonne quoi. Je vois pas pourquoi un robot aurait upgradé un seul côté, enfin. Puis c'est un peu con le fait que ça soit pas relié, enfin. Ça peut faire sens, tu me diras, mais. Ouais, bizarre. Bon bah, du coup, on a eu une baisse de production des bleus, heureusement, on s'en sert pas. Mais ça explique peut-être pourquoi on avait autant de verts du coup. On va regarder un peu maintenant si ça change un peu. Bon, ça a pas l'air, hein. Ça a l'air d'être full quand même. Ouais, bon, Fermeture qui arrive. on sent que du coup ça dépile un peu, mais ouais, ça dépote quoi. Bon, là en plus, on va commencer à mettre des robots verts partout où on peut. Ah, par contre, ça me fait penser que quelque part, peut-être, il y a un autre truc rouge qui a été upgradé, et donc il y a un autre endroit quelque part où bah, ça ne circule plus. Et du coup, lol. C'est quoi ce truc? Pourquoi Ah, il y pour a le un trouver, trou? ça va être drôle, hein. Qu'on a Ça. ça sert à rien ça. Ah bah oui, pour le trouver ça va être drôle, on est d'accord. Ouais. Pourquoi ça arrive là, ça? Ok, je ne sais pas. C'est étrange. Il devait y avoir une raison probablement à cette chose. Bon, ça y est, les tapis verts, c'est reparti. Ça va consommer un peu. On est d'accord. Comme quoi, quand on se dit que c'est bon, c'est qu'en fait, il y avait un truc qui buguait. Hein. C'est quand même beau. Bon, très bien. Est-ce qu'il marche ma production de tapis vert déjà? C'est pareil, les potions bleues, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent là. Si, ça bosse pourtant. Ouais, bah le. Il galère un peu le truc tout seul là. On va mettre un verre pour charger. Maintenant, c'est les engrenages qui posent souci. Ah oui, c'est ici qu'ils chargent les engrenages avec un vieux bras jaune tout pourri. Qui approvisionne toute la map en engrenage, forcément. Ça joue un peu. Ouais, mais effectivement, j'avais mis en place un truc de création de souterrain bleu là. Donc probablement que il devait y avoir l'upgrade qui était prévu, mais que sur un seul. J'avais pas dû faire mon cercle assez loin, et du coup bah ça foutait la merde. Impossible. C'est vrai que c'est plus probable encore qu'un bug. Ouais. Ça nous aide pas pour ici. Alors déjà, on va refaire des tapis comme ça. Et après, il nous faudrait des modules de vitesse. Est-ce que j'en ai dans mon inventaire? J'ai pas l'impression. Bah, on va en commander. On peut faire ça, non? Comme ça se passe déjà. Bim bam boum. Il me faudrait. Un seul, c'est bien.
Allez, go les gars. Amenez-moi des trucs. Et on va voir comment on peut agrandir un peu ça. Donc ici, il faudrait qu'on récupère du coup ce truc-là. On le met comme ça. Faudrait un autre là et ici du coup. Ça se fait. Ah oui, parce qu'il a copié le poteau que je viens de virer. D'accord. L'impression qu'on a pas ce qu'il faut là, donc on va le poser nous-mêmes. Voilà. Histoire de ne pas casser la production. J'ai l'impression qu'on ne fabrique pas de ces machines. Ah, tu te fais des barres. Ouf, t'as besoin de barres pour quoi? Faire des chemins de fer. Il y en a des Je chemins de peux. fer dans le réseau normalement. T'en as? Ouais, il y en a même plein. Il y en a 100. Il y en a 100. Ah ouais, plein. C'est peut-être pas plein 100. On peut en faire plus. Ouais, J'avais dû c'est ce limiter que le. je suis en train de faire. Je suis planté de sens Je peux ici. mettre le coffre en fait ici. Hop. Ça va être par là. Ouais, je peux en faire plus de disponibles. T'en faut combien? C'est De pour une quoi? vraie production ou c'est juste pour comme ça? Bon, c'est pour une production, genre, c'est pas mal, mais je m'en occupe, tu sais, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut ici. The wish. J'en ai réinjecté 400 du coup dans le réseau sinon. Enfin, une limite de 400. C'est vrai qu'il copie-colle aussi les modules. Là. Ah, on n'a pas de fabrication de grands bras dans notre. On n'a rien qui fabrique des grands bras, dis donc. Qu'il faut-il donc pour fabriquer des grands bras? Ah ouais, il faut rien du tout. On va rajouter ça tout de suite, histoire d'en avoir un peu. On va pas se faire chier. Est-ce qu'on peut se greffer directement sur ce truc-là? Je pense pas. Là, ouais, là, c'est un peu tendu, c'est trop serré. Tant pis, on va se mettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. Ah bah quoi que non, il faut des plaques de fer. Non, c'est pas si mal comme ça. Il faut un bras. Ah putain. Qui décharge? Ok. Donc il faut quoi pour les bras rouges? On a dit des plaques de fer et des engrenages. Ah, des plaques de fer.
C'est quoi qui passe sur ce tunnel, sur ce truc qui ne sert à rien? Des modules d'assemblage comme ça. Il leur manque du rouge. Ah, on a une dèche de rouge, très bien. Forcément, ça ne pouvait pas durer. Pourquoi on a une dèche de rouge? Parce qu'on a une dèche de fil de cuivre. Pourquoi on a une dèche de fil de cuivre? Parce qu'on n'a plus de fil de cuivre. Très bien. Jusque-là, la logique est bonne. Et pourquoi on a une dèche de fil de cuivre? Attends, ça bosse, tout ça bosse. On a plutôt une dèche de cuivre, ouais. C'est pour ça qu'on avait du cuivre d'avance. Ouais, bah peut-être que passer à des fours électriques avec des modules, ça s'avérerait nécessaire. Hein. On en est au niveau consommation d'électricité. Pour l'instant, c'est pas mal. On n'avait pas trouvé pourquoi la vapeur ne marchait pas des fois. Hein. Dans quoi? Dans les trucs? Tu sais, les Enfin, centrales, là, des fois la vapeur disparaissait là, et du coup ça produisait plus rien. Bah là, en tout cas, c'est réglé. Oula, on a des trucs qui sont détruits. Ouais. À côté de toi. Est-ce que t'as fait quelque chose ou... Voilà. Il y a une coupure de courant, c'est ça? Ouais, j'ai déplacé un poteau et j'ai déplacé une case trop loin. Ah. Voilà. Juste au mauvais moment, c'est ça quoi. C'est ah mais exact. Ouais, puis... Il y a une deuxième attaque qui arrive déjà quoi, la vache. C'est pas grave là, regarde, hop, tuc 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 tuc. Oui, non, je sais bien, mais... Voilà, c'est le principe de toujours avoir des défenses en rab. Est-ce que notre wagon d'artillerie, il fait des trucs ici? Il est chargé, donc ça veut dire que s'il ne tire pas, c'est que c'est hors de portée. Ah ouais, c'est juste hors de sa portée. Est-ce qu'on peut faire des batteries d'artillerie autrement? Wagon d'artillerie, tank... Des trucs d'artillerie automatique fixe, des batteries fixes, ça se fait ça non? Ah, je sais pas. Décharge électrique de défense, commande de la décharge électrique. Tourelle d'artillerie. On peut faire ça. Ça coûte un peu une blinde par contre, mais bon. Mais on peut faire ça. On va tester ça. Faut juste voir la portée du truc. Tiens, je vais remplir un peu mon exosquelette aussi, ça fait longtemps. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est grand ce truc. Très bien. Ça par contre c'est tout petit. Et ça c'est grand. On pourra mettre encore une tourelle. Mais il faut des processeurs, ok, du coup non. Ça fait 150 de protection et ça sent. Ok, ça va. Les tourelles fixes ont autant de portée que les tourelles en train.
Ouais, du coup, ça rend d'autant plus logique le truc manuel, quoi, qui augmente ta portée. Bah, on double la portée avec le truc manuel, quoi. Putain, j'ai mis un exosquelette, ça fait bizarre d'aller aussi vite. Un exosquelette 2. Non, un exosquelette de base, je l'ai jamais fait encore. On l'a pas l'exosquelette 2, non? Non, Non, on je l'a pense pas, pas. on en a qu'un. Déjà, j'ai qu'une armure de puissance. Ouais, bon, on l'a pas la deuxième non plus. Ouh, le silo à fusée, c'est fait! Alors la suite, hein. Il va nous falloir le pack de sang spatial qui permet de faire des satellites et pas des packs de science. J'ai un peu de mal avec le concept, mais bon. À mon avis, ça doit être un bug d'affichage. Cela étant, il nous faudra du carburant pour fusée, des panneaux solaires, des accumulateurs, des radars, des structures de faible densité. Que du bon. Là, on va commencer à consommer du jaune, là, du bleu, là. Et là, on va voir le problème de notre production de bleu arriver. Clairement. Alors, du coup, ici, je vais poser déjà les petits machins pour qu'ils fabriquent. Et puis ça c'est en bout de cuivre, donc on voit tout de suite le cuivre, il n'y en a plus, c'est la teuf quoi. Il nous faut plus de cuivre, beaucoup beaucoup plus de cuivre, genre beaucoup, genre beaucoup beaucoup plus. Et la question étant, est-ce qu'on peut se permettre de raser des trucs pour s'en passer le temps d'agrandir un peu? Peut-être qu'on peut raser tout ça là. Ça me paraît rasable. Ouais, c'est le temps de robot d'arriver, voilà. Parfait. Alors du coup maintenant, il faudrait qu'on augmente. Juste ça. D'un de plus peut-être. Ouais, peut pas. Il manque un tapis là, étrangement. J'ai fait du coup les trucs rouges. Les brins rouges, je sais plus. Je vais commencer, je me suis arrêté, je crois. Putain, quel con. Chier. Alors déjà, on va récupérer ça. Arriver ce tapis. Là, il y a la caillasse. Où est le. Ici. Ah oui, ici. D'accord. Très bien. Puff. Ah putain, j'en ai qu'un, quoi. Fuck. Enfin, comme ça, c'est pas grave. Dirait qu'on a encore une dèche de soufre en plus. Chier. Falloir aller voir ça. Et tu vas le faire rejoindre où le tapis? Lequel? Celui avec le soufre et le plastique. Bah, là où il allait, c'est-à-dire normalement juste ici, là.
dès que j'aurai, voilà ce qu'il faut. Voilà, il est là normalement. Par contre, on n'a plus de soufre. On a encore trop de lubrifiant, une connerie du genre, et ça travaille plus. Ah putain, ouais, c'est encore plein quoi. Putain, c'est chaud hein, parce que le pétrole lourd on le consomme pas, du coup ça arrête de créer du pétrole léger, du coup on a plus de pétrole léger, on fait plus de gaz. Bah, faut le virer quoi. Bah, il faudrait soit consommer plus de lubrifiant, soit trouver un moyen de détruire le pétrole lourd, mais je sais pas si on peut détruire ça. On pourrait transformer le pétrole lourd en pétrole léger. Ça pourrait être une idée, ça. Ça serait Je sais même pas à carrément quoi sert le intéressant, pétrole lourd. ça. De quoi? Je sais même pas à quoi sert le pétrole lourd. Bah, fabriquer du lubrifiant, bah, principalement pour l'instant. Sauf que comme on consomme pas suffisamment de lubrifiant, une fois que tous nos réservoirs de lubrifiant sont pleins, on consomme plus de pétrole lourd. À partir du moment où on consomme plus de pétrole lourd, les raffineries s'arrêtent. Du coup, on pourrait faire. On pourrait craquer du pétrole lourd, on va faire ça, craquer du pétrole lourd, injecter ça dans le circuit. Alors il nous faut des usines de produits chimiques. 1, 2, 3, 4. On va faire du pétrole lourd. Un jour, j'arriverai à me souvenir de ce putain de raccourci clavier. Il faut aussi que je récupère du coup un bout de ça. Et du coup du pétrole lourd, il y en a là. Ensuite du courant. Là, ça devrait travailler. On va vérifier. Non, il me manque un truc ici. On va le mettre à la main. Pas se faire chier. Ok, là on a ça qui arrive. Un petit dernier là, on a de l'eau qui arrive, ça y est, ça travaille. Et on injecte là-dedans. Voilà. Est-ce que je peux demander au robot de poser ça? Commander un module, je sais pas, je suis pas sûr. Euh,
Ça fait combien? C'est quoi le raffinage? On prend 42 pétrole lourd, on transforme en 32 pétrole léger. Ouais, ce qu'il faut, c'est que ces trucs-là soient pas pleins. Donc tant que ces trucs-là sont pas pleins, ça me va. Ça veut dire que les raffineries bossent, et si les raffineries bossent, c'est bon. Pas besoin de plus. Ok, on va dire que c'est bon, on retourne s'occuper du cuivre, parce que bien sûr le soufre c'était absolument prioritaire hein, par rapport au cuivre. On est bien d'accord. Alors du coup, il nous faut un truc comme ça en attendant autre chose, et il nous faut des bras comme ça, en attendant en avoir d'autres. Alors, en attendant, ce qu'on va dire, c'est que du coup, ça, on l'injecte. Dans l'idéal, on va l'injecter directement. Là, on va pas s'emmerder pour l'instant. Ça on va la réexpédier en haut par contre. Enfin non, ça sort ici. Ça on va la réexpédier par là. Histoire de... si si c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Ok, donc il en manque un là. Ça se fout quoi? Ça part rien, ça. Dégage. C'est ouf la quantité de trucs que je commence et que je termine pas. Hein. Pourquoi j'ai pas de bras ici? C'est quoi cette merde? Fuck. Toi, faut qu'on te monte. Merde, ça ressemble à quoi un four? Je sais plus moi. Ok. Ça, on va le virer ici, parce que ça va me gêner. Hop, hop. Ici c'est pareil, je sais pas pourquoi on n'a pas ce truc là. Mais... Ok, là, ça fonctionne, là, ça fonctionne, là, ça ne décharge pas. Hop, voilà, maintenant ça décharge.
Bon, on s'en réinjecte un peu plus déjà. Ça réinjecte un peu plus, ça réinjecte un peu plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Ouais, je te coupe à l'arrache, Katox, je suis désolé. Oui, pas de souci. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.